partir encore. Aller coucher dans des hôtels sans étoiles. Je suis Ali Mokai Boussi, je suis arrivé à Ferney en 2003 et j'y suis jusqu'à aujourd'hui. Et là j'entreprends un périple. Le périple en question, j'étais les toutes premières bases il y a 2 ans et aujourd'hui c'est une grande joie pour moi. Je n'ai même pas encore donné le premier coup de pédale, c'est une grande joie pour moi que ce périple se réalise. Je vais jusqu'à Dole. Je pars de Ferney pour Dole avec quelques points de chute. Comme Chaudy-Dombief, Mouret, Moutte, Saint-Laurent-Grandvaux. Par ailleurs, je vais laisser le hasard des rencontres me guider aussi. Ce n'est pas un espoir sportif. Je vais à mon rythme. Je ne vais pas contre une montre. Et au Cameroun, vous faisiez du vélo? Non. Sincèrement, non. On est au pied de Voltaire. Ça a une signification? Une très grande signification. J'ai toujours été soutenu par les Fénisiens et les Voltairiens et je pense que depuis 2003, mon capital d'intelligence et de connaissances a beaucoup augmenté grâce à Voltaire. Ce qu'il faut dire, c'est que vous écrivez, vous ne faites pas que du vélo. Oui, j'écris, je ne fais pas que du vélo. J'ai à mon actif à peu près 2 publications, pas sorties dans les grandes maisons d'édition, mais c'est des publications quand même. Ouais. Quand il m'a parlé de son projet, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et je me suis dit, en plus, au moment du départ, l'appréhension étant là, il vaut quand même mieux venir le soutenir, parce que c'est quand même pas évident pour lui. Puis de toute façon, partir comme ça dans l'inconnu quand on n'a pas de repères, je trouve que c'est très courageux. C'est vraiment très courageux. Première étape, première nuit, ce soir, vous savez déjà où? Je ne me pose pas de questions. Et le jour vient à peine de se lever, il serait inutile pour moi de me poser cette question-là. Déjà, ouais. Et seulement avoir la faucille comme petit déjeuner un dimanche matin, j'espère que le Seigneur sera avec moi. C'est bien les gens qui font quelque chose jusqu'au bout, en tout cas qui essayent. J'ai mon sac de couchage et puis je vais me débrouiller, je vais à l'aventure, tout simplement. Je ne me pose pas plus de questions. Partir encore, j'ai rendez-vous à mon fort où traîne la mort. La fille du bar un instant à 3 heures, la ville est vide. Partir encore, qui veut me voir? Au passage à niveau, tu sonnes. Derrière un convoi hollandais qui vrille et fige toutes choses.